Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 sur Train Simulator. Je vous laisse avec Seb et je vous dis à tout à l'heure. Merci patronne, salut tout le monde. Alors, deuxième partie de cette troisième vidéo sur Train Sim 2015. Nous revoilà en compagnie de notre E189 avec son train de conteneur. On vient d'être arrêté au faisceau pour laisser passer un train qui n'est pas passé, donc le régulateur vient de me téléphoner, le train a été supprimé, donc on peut y aller. Donc, on desserre les freins et on tractionne, vitesse maximum 60 km/h, comme l'indique le petit chiffre ici en tête du signal. Traction maximum presque 80 kN et 600 ampères. Les 5000 chevaux de la machine sont lâchés. C'est ce qui s'appelle un décollage. Nous sommes de retour en principal. On va attendre d'avoir dégagé les voies. Ce qui est bientôt le cas. Ah, on ne le verra pas. Peut-être dans ce sens-là. Via les caméras. La queue a dégagé et on peut reprendre la traction jusqu'à 140 km/h maximum. Vitesse maximum de la locomotive qui n'est pas prévue pour du voyageur mais pour des marchandises. Mais elle peut en faire éventuellement. Répétiteur ouvert, pas de restriction. Cent kilomètres heure, nickel. On croise encore et bien sûr encore un ICE, le roi du rail en Allemagne. Prochain point de contrôle, Bad Bevensen, 17 900 km. On y sera encore vite. On est toujours traction à fond. Les freins relâchés. Un petit coup de klaxon.
Et on roule. On peut voir ici que les voies ont été dressées à l'allemande, au laser. On est toujours à fond. Prochain point de contrôle dans 15 km. Et on croise de nouveau un train. C'est un confrère avec sa 189 également. Chose. La ligne redescend, on le sent. Restriction à 140. On va la respecter, bien évidemment. Restriction levée. On voit bien ici que le profil est en descente. Combiné ouvert. On retrouve la circulation en palier et la restriction en 140. Comme on circule à 134 km/h, aucun problème. Prochain point de passage, Bad Bevensen, dans 10 600 km. Ici, on vient de passer un petit panneau H qui signifie l'arrêt pour les trains de voyageurs. C'est un point de repère pour les conducteurs. Une sonde avec son lycée. Ça sent le garage pour notre confrère avec sa 189, vu la différence de vitesse maximale autorisée. 200 pour le voyageur, 140 pour la marchandise. Un petit champ sur la gauche. Pas de tracteur à l'horizon. Loulou n'a pas encore envie de le moissonner, celui-là, on dirait. Prochain point de passage dans 6 km. Tout va bien.
Est-ce que la lampe... Bon, nickel. Et on roule toujours à 132 km/h. Pour une Vmax de 140. On est en légère pente, légère rampe même. Restriction à 160. Non, c'est 140, un petit peu plus loin, dans 2 km. Bad Ben Benson, notre point de contrôle. Mais bon, on est à 132, on peut maintenir le rythme. Combiné ouvert. Point de passage n'est pas trop loin. Voilà. Bad Ben Watson. Monsieur, dame, bonjour. Combiné. Présente l'avertissement. Ouais, merci chef. Ah bah non, c'est pas le nôtre. Comme quoi, on s'est fait piéger. Mais ici, dans le bon sens. Prochain point de contrôle, l'arrêt. Ulzan, 12 km 700. On peut reprendre la traction jusque 140 km/h. UM201 avec une rame de conteneur. Quand on voit, on fait mieux que. Avec une seule machine, on fait un plus grand train qu'eux. Comme quoi, wir sind die Besten, ja. On va essayer d'être à l'heure, dans 10 km, nickel. On sera à l'heure. Que je pense qu'Hello nous attend à destination avec les grills et le coca. Des grills, ça donne faim. Tout y va ben. Bon, les arbres ici sont pas très verts. Les petites éoliennes. Restriction de vitesse à 140, nickel, on est en dessous, 132 km/h.
prochain point de contrôle dans 7 km 400. On va se dépêcher. Je veux des grills. Niveau paysage, c'est pas très très varié. On est en pleine forêt. Le vide. Les champs. Pas beaucoup d'habitations. Ni à gauche ni à droite. Encore une 101. Avec un lycée. Va bien. Signal ouvert. Et une petite maisonnette au fond à droite. Par contre là, eh ouais, avertisseur pour nous. Donc, on coupe la traction. Et on fait une petite dépression. 3 kg cylindre de frein. 80 km/h. Nickel. Pour arrêt à Ulsen dans 3 km 400. Ok, 80 km respecté. Tout d'un coup, tout se fait beaucoup plus habité. Une jolie petite maisonnette. De l'industrie ici à gauche. Restriction à 80 km/h. Nickel. On est 5 km/h en dessous. Et on se laisse aller. Plus de traction. Ampérage à 0. Informateur à 0. On se laisse couler. On quitte la voie principale, on croise de nouveau un ICE en UM. Voiture pilote sur voiture pilote. Meilleure répartition de l'effort de traction. Prochain arrêt Ulsen dans 1 km 200. On va se mettre à 40 km/h. À son aise, on a le temps, on ne va pas faire chauffer les freins. Voilà, on réalimente. Monsieur, dame, s'il vous plaît, pourriez un petit peu vous éloigner du bord du quai, merci. Voilà. C'est nous. Encore une rame express. Il ne reste plus que 600 mètres avant l'arrivée.
va s'arrêter au pied de ce signal. Et il y a déjà un agent au pied du signal pour nous découpler. C'est génial. Deux rames de transport de charbon ou de ballast. Le charbon à droite, le ballast à gauche. Facing, ok. On freine et on s'arrête. Et voilà. On est à l'arrêt. Inverseur au centre. On coupe les feux. On baisse le panto. Et voilà. Nous sommes arrivés. Patronello, à toi les commandes. Et les amis, à la prochaine. Et bien voilà, c'est là que se termine l'épisode numéro 3 sur Train Simulator. Merci à Seb pour ce que tu fais encore une fois. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter comme toujours et ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.